Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos nombreux suffrages exprimés au candidat numéro 2 que je suis lors du vote du 20 décembre 2023. Vous avez été nombreux à aller voter le 20 décembre pour exprimer votre volonté à rompre avec les antivaleurs de gestion du passé. Nous avons ensemble parcouru près de 3/4 de notre territoire national. Et vous étiez nombreux à vous mobiliser comme un seul homme dans les villes et villages que nous avons ensemble parcourus. Signe que vous avez accepté notre offre politique centrée sur la rupture. Mais au vu des résultats partiels tels que publiés par la CENI, il se dégage un écart criant entre nous, candidats président de la République, et notre challenger, Tshisekedi. Et puisque nous ne saurons plus rattraper ce retard, je tenais du fond du cœur à vous remercier et à m'incliner devant ces résultats. Et je vous invite à ne pas vous laisser manipuler par des politiciens véreux, par des candidats qui n'ont pas pu battre campagne, par des candidats qui sont financés par des mains noires, par des candidats qui sont financés par l'étranger pour semer mort et désolation dans notre République, pour semer déstabilisation, trouble, sécession, balkanisation dans notre pays. Je vous invite à croire en cette démocratie pour laquelle nous nous sommes ensemble battus. Les résultats qui seront publiés par la CENI demain, c'est 31 décembre 2023, reflètent bien l'expression de la volonté populaire. C'est pourquoi nous nous inclinons. Certes, il y a eu des irrégularités que nous avons nous-mêmes déplorées. Mais ce sont des irrégularités qui ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des votes exprimés le 20 décembre 2023. Chers compatriotes, je vous invite au calme, à la quiétude. Je vous invite à privilégier la paix et la cohésion et l'unité nationale. Parce que nous n'avons que ce pays. Si nous cherchons à l'embraser, nous ne saurons plus où nous promener et où faire cette politique. Chers compatriotes jeunes de ma génération, jeunes Katangais, jeunes Kassaïens, jeunes Kinois, jeunes du Congo central, jeunes de Bandundu, jeunes de l'Équateur, jeunes de la province orientale, jeunes de Kivu, je vous invite tous à ne pas vous laisser manipuler après la publication des résultats provisoires par la CENI. Parce que le fait est que la majorité des candidats présents de la République n'ont pas battu campagne et n'ont pas de preuves qu'ils ont été élus président de la République. Et que le plan est de pouvoir balkaniser notre pays, je vous invite au sursaut patriotique à aimer véritablement notre République. Je dis et je vous remercie.